Et salut à tous, c'est MigasMR9. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un navigateur. Quel est ce navigateur? Suspense! Bon, non, je rigole. Comme vous, vous en avez marre que vos vidéos YouTube, quand vous les téléchargez, ça prenne 4 heures, 5 heures maximum. Mais maintenant, avec ce logiciel, avec ce navigateur, ça va vous prendre 2 minutes, 5 minutes grand maximum. Allez, nous allons commencer. Alors, donc ce navigateur s'appelle Torch. Donc le lien sort dans la description. Donc ça charge un petit peu parce que je suis en vidéo. Donc Torch, navigateur. Voilà, Torch navigateur, Torch navigateur. Donc Clubic, je vais mettre, hein. Désolé si vous entendez des chiens gueuler parce qu'on est le 28 avril et les forains sont là. Hein. Donc télécharger Torch Clubic. Une fois ici, donc ce lien sera dans la description. Donc accéder directement. Donc voilà, télécharger. Bon, c'est rien de plus simple, rien de plus compliqué. Une fois téléchargé, vous allez dans le petit personnalité configurer Torch. Vous allez dans paramètres. Une fois dans paramètres, donc vous avez cliqué sur ouvrir un ensemble de pages spécifiques, donc ensemble de pages. Donc moi je vais mettre deuxième page Google, hein. Voilà, comme ça on fait OK. Donc voilà, donc moi j'ai décoché voilà, toujours afficher la barre des favoris. Donc vous cochez afficher le bouton d'accueil, vous faites modifier et donc ouvrir cette page, je vais mettre Google. Voilà. Donc après vous pouvez gérer les moteurs de recherche. Donc voilà, vous supprimez tout ce qui n'est pas Google. Donc ASK Toolbar, tout ça, tout le bordel. Après, donc vous ne cochez pas ça. Enfin, pour ceux qui savent, vous le cochez. Mais pour ceux qui savent pas, vous cochez surtout pas. Donc on sait jamais ce que ça peut faire. Donc voilà, on fait afficher les paramètres avancés. Donc une fois ça, vous décochez près de transaction du réseau, donc ça va vous, sinon ça va vous afficher plein de pubs, enfin ça va être la cata quoi, vous serez obligé de refaire votre PC. Donc voilà, vous utilisez, vous cochez ces trois là. Donc voilà, une fois ça, vous allez dans extension, donc vous enlevez ASK Toolbar, vous supprimez avec ça comme ça, voilà. Donc et vous cochez celui que vous voulez. Après dans historique, donc vous pouvez supprimer votre historique. Allez sur YouPorn. Non, je rigole. C'est une petite blague. Donc voilà. Par exemple, ça double la vitesse de téléchargement de vidéos YouTube, par exemple. Comme voilà, YouTube. Voilà. Tac. Donc on télécharge une vidéo. Donc ça double la rapidité. Donc si vous en avez marre, bah, je vous conseille ce navigateur fortement. Donc c'est déjà la fin de ce petit tuto, de cette petite vidéo de présentation de Torch. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace.